Li pas sous premier rapport li, je nous dis li déjà gagné plusieurs rapports qui sorti depuis création institution ça dans l'année 2006 guerrier pour arriver jouk en 2022 66 rapports déjà rendu public guerrier mais c'est seulement yon condamnation qui fait depuis lors. Je nous t'ai annoncé l'autre dossier corruption côté fondation j'éclairé t'ai accusé ancien DG Konatel là ingénieur Jean-Marie Altema de détournement de fonds ancien déjà il continue à clamer innocence il même déposé en plainte contre organisation dans tribunal correctionnel dossier a été tendu le 1er mars qui saute passé à essayer mettre Arnel Rémy qui était représenté ancien DGA et donc face à maître Samuel Madistin donc DGA avec nous pour dire nous dans qui point dossier aillé. Bonjour ingénieur Jean-Marie Altema. Bonjour Pierre Renel, bonjour toute équipe là, m'a salué nous, c'est avec plaisir et que m'a bienvenu matin. Alors faut me dire nous que et moi m'a intervenu avec un sentiment de fierté et avec dignité. Ouais. Dans le sens que n'a pas les dans un contexte qui est très difficile sous question corruption et moi-même avec un pile fierté, c'est pas pour me défendre tête parce que me connais qui côté pour m'aller pour me défendre tête, c'est pour ça moi engagé au cabinet d'avocat et par rapport à et souvler ça me tracé les un document, on pas considéré comme rapport que FJK a été sorti. Donc, un sentiment de fierté pour moi, et avec un peu de dignité tout, et c'est comme si nous avons dit, bon, on a parlé d'exception parmi les règles, donc c'est pour ça que je me suis. Donc, on peut dire effectivement, le dossier n'a pas avancé, parce que ce qui arrive, en mois de mars de l'année dernière, FJKL sorti un document, côté que lui fait des accusations que je considère comme de diffamation et des allégations mensongères dans l'idée pour capable nuire et dans sens ça on va faire manifestation on va écrire nos FJKL dans sur les soumis donc mal la justice moi dépose une plainte au correctionnel pour et monde ou bien responsable FJKL vienne expliquer parce que moi crois que c'est comme ça que un pays ta doit marcher et Jean Labbé dit c'est la justice qui les vaut nation. Donc, je suis intervenu pour honneur, pour intégrité, pour famille, pour amis et tous les collègues qui travaillent avec mon Konatel et pour que nous jouions, pour que nous traçons exemple. Et il y a un pile, pour m'aller plus rapide, un pile élément qui est considéré comme des mensonges que FJKL a mis dans le document. Là. Par exemple, moi quitté Konatel le 2 mai et le document, ça a parlé du 20 mai. Donc, moi, entre le 22 avril 2016, je suis sorti le 2 mai. Et je parle tout de signature d'un contrat avec une firme qui est le Bytex, sans appel d'offres, et qui n'a pas passé devant CNMP, qui n'a pas passé devant la Cour des comptes, qui n'a pas approuvé par la Cour des comptes. Et dans page 5, là, je dis ça. Je dis que le contrat, ça a signé avec le directeur général qui était là avant. Là. Et dans page 9, là, je dis moi-même, moi, signé un contrat, ça. Et moi, commencé de plus en plus, parce que je fais confiance à l'institution PIA, avec toute faiblesse que vous gagnez. Moi, commencé dans quelques informations qui sont disponibles. Et c'est extrêmement important pour nous comprendre que la technologie, que moi-même, j'ai toujours parlé de l'IA, c'est un instrument qui a favorisé la transparence. Par rapport à contrat ça, que FJKL dit que moi signé la page 9 là et que l'IA a annoncé que c'est directeur avant que signé l'IA, j'ai invité tout le monde à le vérifier sur le site internet CNMPA, avec site internet Cour supérieur des comptes là, et après que contrat ça a yo signé pour l'exercice 2014-2015, Mbourko directeur général, et yo passé devant deux institutions. Ça. Si l'adresse site internet CNMP1, c'est cnmp.gouv.ht. Il y a un petit temps pour faire une recherche, pour regarder la page 32 et site là, la recherche là, pour voir liste de contrats qui approuvé par la Cour et que CNMP lui-même a validé. Je peux aller sous même sous site internet CSCCA Cour des comptes là pour même vérifier que même et firme ça ou bien même contrat ça a été signé l'exercice 2014-2015 sous directeur général qui était là avant moi directeur général en 2016 et il passait devant deux institutions ça. Donc c'est mensonge pur et simple et moi dit m'a tracé un exemple. Et l'autre bagage que FJKL fait
dans le document que vous présentez, vous parlez de dépenses importantes. Et pour, encore pour le public, pour tout le monde qui est intéressé, moins transféré au trésor public. Plus de 700 millions de gourdes que le document ça me dit transféré au trésor public. Ça veut dire que ce petit sous-compte qu'on a tel, pour nous rappeler, que, qui recevoit de l'opérateur et montant collecté, c'est 5 centimes sur les appels d'entrant, eh bien, moi-même, me transféré au trésor public. Là, me dit moi-même, administration Pablan, transféré au trésor public, plus de 700 millions de gourdes. Que institution que M. Madistin a dirigé à les dépenses importantes. Tout ça aussi des documents qui existaient et qui clair que le monde est capable de consulter. Donc, alors, documents, ça a les mêmes, sont documents internes et pour respect institution que M. a dirigé pour d'autres institutions dans le pays, je n'ai pas pour mettre de documents publics. Mais transfert vers le compte du trésor, pas capable de considérer comme dépenses importantes. C'est pas une dépense, acheter service. Donc, dans ce sens, ça, déposons plainte auprès du tribunal correctionnel, constituer un cabinet d'avocats pour capable poursuivre Fondation J'éclairé pour diffamation et déclaration qui pachita sur la vérité. Donc, après plus de 10 mois, en pile monté descendre, moi qui ai mes dossiers à vivre, parce que je voulais que lumière faite, je voulais un exemple tracé. Donc, moi, relé Fondation J'éclairé notre tribunal correctionnel. Alors, il faut dire que la première démarche que j'ai entreprise, m'a été demandé Fondation J'éclairé pour présenter des excuses publiques par la même voie que j'ai sorti document. Ce qui n'a pas été fait. Donc, m'a dit, pas un problème, ça veut dire que nous pourrons rentrer dans le combat. Depuis le rentrer dans le combat, il y a un peu de monde qui dit, nous pourrons rentrer dans le combat face à un système. Écoutez, pour la vérité, pour mon honneur, pour mon intégrité, pas aucun combat qui est capable de plus grand. Gourmet pour honneur, pour intégrité. Donc, dans ce sens-là, j'ai engagé le cabinet d'avocat. Eh bien, en pile temps passé, que mes dossiers sont vivants, il arrive que le 1er mars, eh bien, bon juge qui t'apprend à tendre affaire là. Donc, conseil cap dirigé, et conseil cabinet, si vous voulez, cabinet quand même engagé, les gagnants, et un avocat qui est M. Arnel Rémy, et un jeune avocat, parce que il est intervenu, tout le monde connaît lui, il est intervenu plusieurs fois dans les médias, eh bien, il est présenté pour défendre, défendre moins dans quatre dossiers. Eh bien, ce qui arrive, et que le comportement de M. Madistin, que m'a publiquement dénoncé, il dit avocat que Timoun n'est pas rentré dans le gendarme. Il n'a pas compris ce que ça veut dire. Et moi connais que M. Madistin était le député et premier secrétaire à la Chambre des députés sous faveur formation bureau d'agent à 28 ans. Par quoi que M. Madistin t'a capable en face jeune, je dis, jeune professionnel qui au même cap travaille dans des conditions difficiles pour former tête et pour jouer nos places en dans milieu professionnel là. Donc dénoncer comportement ça, dénoncer tout comportement M. Madistin qui mandait un conseiller à la cour pour que lui paraisse comme témoin dans le cadre d'un dossier qui est en continuation à la cour et que lui-même lui te travaille sur lui. Donc, moi dis, institution ça qui est le JKL là, quel que soit le travail que tu es capable de faire, quel que soit l'importance lui, eh bien, moi dis, par une institution qui sous-tête la loi. Et dans ce sens, ça, moi engagé un cabinet d'avocats pour que nous traduisons Fondation J'éclairé dans le tribunal correctionnel. Donc, dans ce sens-là, je reprends encore par rapport à deux informations qui ne sont pas sur la vérité que Fondation J'éclairé baille. Je suis capable d'aller sur le site cnmp.gouv.ht pour nous voir une question qui a rapport avec firme Bytech International, qui sont contrats qui étaient signés en 2014, dans l'exercice 2014-2015, alors que moi-même, mon directeur général, en 2016. Le 22 avril 2016. Je retourne sur tout ça et intervention en était claire, c'est pour te dire qu'il côtoyait dans des démarche pour capable faire lumière sur accusation et fondation. Donc, contrairement à de l'autre monde, nous partons de la justice relève, c'est vous-même qui pouvez tête ou aller, qui pouvez dossier devant la justice. Donc, on confirme malgré tout, à privé, abouti dans des démarche et ingénieur Altema. Non, écoutez, je ne vais pas porter tête pour aller, mais plutôt. Et j'aime toujours dire, je voulais un exemple tracé, dans le sens que, moi, parce que ce n'est pas la Cour des comptes,
et qui sorti un rapport. Si, même si la Cour des comptes a sorti un rapport, la loi dit qui ça pour me faire. On t'a engagé cabinet d'avocat, on t'a pas aller dans l'appel. Mais son organisation qui ne pas connaît pas quelle voie que l'idée lié accès à un dossier qui est en continuation à la Cour, il y a aucune décision qui a été prise et puis Kounia li a fait spectacle, l'a fait buzz et d'après toutes recherches que je fais, il y a un avocat qui est membre du conseil de la Fondation J'éclairé, qui est avocat à la Cour des comptes et qui était plaidé dans le jour 13 mai 2021 que moi-même, je vais défendre devant la Cour des comptes. Défendre dans le sens que, by lumière, sous les informations qui ont été besoin qu'on ait. Donc, avocat, ça, c'est membre du conseil d'administration de FJKL et lui, c'est avocat à la Cour des comptes. Moi, pas peur pour me défendre intérêt, moi, pas peur pour me défendre intégrité, moi, pas peur pour me défendre honneur. Et tout comportement ça que me dénoncer, montrer et mettre à clair que gagne une question d'incompatibilité de fonction ou avocat militant avec un monde qui a dirigé une fondation droits humains. Comment pour que un monde qui a dirigé une fondation qui pour défendre droits humains dit si moun pas entrer dans gendarme devant un professionnel qui vient plaider une affaire. Donc c'est le comportement qui pas capable de marcher avec démocratie que nous-mêmes nous voulons pour pays. Donc il est clair que chaque institution doit être dans rôle, institution de la société civile doit être dans rôle, institution étatique doit être dans rôle. Moi je fais confiance à la Cour des comptes et moi disponible, moi disposé et mais t'es toujours dit, gestion, c'est une gestion qui est ouverte, ouverte. Et pour preuve, moi t'ai transféré à la Cour des comptes chaque 3 mois mon rapport de gestion. Ça veut dire que le document que me présentait, moi soumettais à la Cour, moi dit mes dépenses que me fait, mais ça me rentrait chaque 3 mois me fait. Ça veut dire que les pas difficile pour la Cour des comptes pour te consulter 3 rapports ça que me voyait balayer en un an. Pratiquement que moi, directeur général, là, pour le tout ça me fait comme dépense et tout ça me rentre. Merci beaucoup, ingénieur Jean-Marie Altema, ancien directeur général Conatel, qui est dans un démêlé avec Fondation J'éclairé, qui, moi, m'a fait yon l'année depuis le sorti yon rapport, il était accusé, ancien directeur de corruption. Merci beaucoup, et Jean-Marie Altema.